Assalamu alaikum. Vous savez, quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour déplaire aux gens. J'essaye de rapprocher des gens qui ne sont pas encore musulmans. Ou j'essaye de faire rapprocher les gens qui sont déjà musulmans plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand, franchement, quand je vois toutes ces insultes, hein, du genre, bah, t'es même pas un musulman, t'es qui, toi, t'es un menteur. La pire des insultes qu'on va faire encore plus, c'est de dire, t'es qui, toi? Tu penses que t'es mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je le fais pour vous, pas pour moi. Et je le fais pour plaire à Dieu. Alhamdulillah. Et vous savez une deuxième chose, je vais encore vous dire une chose. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit, vous savez. J'ai pas besoin de vous. Mais je vais plus répondre. Parce que je comprends ce que les prophètes, en fait, ils ont senti. Tu vois, quand on lit les versets dans le Coran, que Dieu dit ne t'attriste pas, je comprends maintenant, tu vois. Parce que quand tu essaies de faire quelque chose de bien et que tu te fais insulter, ouais, des fois c'est vraiment dur. Et le pire, astaghfirullah, c'est que c'est même pas les mécréants. C'est tous les musulmans en fait. Subhanallah. C'est tous les musulmans. Toutes les insultes que j'ai reçues, c'est des musulmans. C'est même pas les mécréants. Il y a même encore des chrétiens qui me remercient. C'est incroyable quoi. Donc voilà quoi. Donc je répondrai plus aux insultes, etc. Faites ce que vous voulez. Hein? Vous savez, chacun a son jugement, j'ai mon jugement, vous avez votre jugement, chacun est responsable de ce qu'il fait. Voilà, je continuerai de toute façon à faire mes vidéos, alhamdoulilah, si Dieu le veut. Merci d'avoir regardé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.